Vierge, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mars. Alors, justement, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mars, ce mois printanier? Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Nous allons le voir ensemble. Alors tout d'abord, quelle sera votre énergie générale, votre énergie de toile de fond en ce mois de mars pour vous? La roue de fortune, oh là là, un coup de chance. Un tour de roue à 180 degrés. Lorsque la roue de fortune sort seule, c'est toujours dans le bon sens, rassurez-vous. Donc, un coup du destin, un coup de la vie qui vient vous donner un coup de main. C'est le cas de le dire et presque ça rimerait. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette lecture guidance pour voir de quoi il s'agit effectivement. Alors, regardons, regardons globalement donc votre jeu. Nous voyons tout de suite qu'il y a donc un, un, deux et trois arcanes majeures. Alors, ça n'est pas rien quand même. Alors, nous avons la grande prêtresse ou la papesse, la justice et l'empereur. Alors là, déjà, se dessine quelque chose. Nous regardons d'abord le sommet de la pyramide qui est le 8 d'épée. Oh là 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 là, le 8 d'épée, sans compter qu'il n'est pas loin du 10. Alors, ce 8 d'épée que vous voyez là, comme ce dessin l'indique, c'est qu'on est cerné de toutes parts par des épées, par des combats, par des complications. Le 8 d'épée, le 8 déjà, hein, le chiffre c'est entre le 7 et le 9, vous allez me dire, eh bien oui, bien sûr Pauline, on le sait. Non, mais c'est pour dire que si vous voulez, le 7 c'est toujours des victoires, même quand ce sont des épées, c'est des victoires sur les ennemis. Et le 9 c'est une fin d'étape, on termine quelque chose pour aller vers autre chose. Donc le 8 qui est au milieu, en fait, est entre les deux. Il vient après certaines victoires, après certaines mises en place, et juste avant de terminer une phase dans sa vie. Donc c'est une carte complexe dans laquelle, effectivement, les 8, c'est un chiffre plutôt complexe, dans lequel il peut y avoir, et quand ce sont des épées, des combats, disons des remises à niveau, disons des choses qui ont besoin d'être recadrées, revues. Alors ça, si vous voulez, ça nous indique que dans ce mois de mars, vous allez vous occuper de certaines choses pour les boucler définitivement. Donc, après, à vous d'adapter pour voir ce que c'est, mais il y a des choses que vous devez arrêter, qui ne sont plus spécialement bonnes pour vous, ou tout au moins spécialement porteuses, et qu'il faut que vous boucliez pour pouvoir passer effectivement à autre chose. Et en plus, avec le printemps, ça tombera très bien. Allez, nous commençons avec la reine de baguette sur vous, entouré de la justice et de l'empereur, deux arcanes majeures qui ne sont pas là pour rien. Alors, la reine de baguette, d'abord, c'est celle qui sait où elle est. Voilà, elle est presque comparable à l'impératrice, et donc, enfin, du tarot, hein. Et donc, si vous voulez, regardez comme elle est bien implantée. Alors, la reine de baguette, elle fait toujours penser à la position de l'arbre. Les baguettes, c'est du bois, font penser à l'arbre. Enracinée, elle sait où sont ses racines, donc d'où elle vient. Elle sait exactement où elle est, parce que vous voyez sa posture, elle est là, elle sait ce qu'elle veut. Même les mains, la symbolique de la main est bien faite, elle est très écartée, elle tient son chat, il n'est pas question qu'il parte, et on sent qu'elle a des griffes bien plus acérées finalement que le chat, qui semble bien tout doux. Et puis, elle sait où elle va, c'est surtout ça. La reine de baguette, elle pose les choses matérielles, elle se débrouille pour que ça aille dans son sens et elle est stratège. Elle est stratège, mais dans le bon sens. Or, dans votre jeu, cette reine de baguette est entourée de la justice et de l'empereur. Alors, voyons un peu comment intervient cette roue de fortune. La justice, elle fait référence à la roue de fortune dans le sens où lorsque la justice sort, c'est toujours, il faut toujours se poser la question, une fois qu'on s'est posé la question
d'un vrai procès, d'une vraie procédure évidemment, hein. Bien, mais c'est rarement ça dont il s'agit, ça peut arriver. Mais alors là, ce sont des tirages précis, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. Donc la carte de la justice qui vient répondre à la roue de fortune nous dit, vous dit, que vous allez avoir la monnaie de votre pièce. Alors, non seulement la monnaie de votre pièce, mais en plus qu'un élément va intervenir dans votre vie pour venir vers vous. Et comme nous sommes en association avec l'empereur, celui qui soutient, qui n'est pas loin d'ailleurs de cette carte-là, quelque part, de l'impératrice, celui qui soutient, celui qui aide, celui qui apporte des solutions, et même celui qui permet que les projets matériels se posent. Alors on voit bien que la justice et l'empereur qui vous entoure, vous, disent la chose suivante. Pendant ce mois de mars, vous allez être aidé sur votre route. Un événement tout à fait fortuit, un événement, la vie, hein, boum boum, qui vient vous apporter quelque chose qui met de l'eau dans votre moulin, qui apporte de l'eau à votre moulin. Et c'est tout à fait bien placé sur votre route, non seulement bien placé, mais en plus, vous le méritez quelque part. Le 9 de coupe est le roi d'épée. Alors ce 9 de coupe qui nous parle d'amour total, justement, une boucle est bouclée. On est sûr de quelque chose, que l'on ait quitté quelqu'un, que l'on ait rencontré quelqu'un, peu importe, ou que l'on ait une relation avec quelqu'un, bon, d'une façon ou d'une autre, la boucle est bouclée, on sait exactement où on est. Mais le roi d'épée nous dit quoi? Le roi d'épée dit qu'il y a des complications, qu'il y a de l'autorité. Alors on peut parler de hiérarchie, on peut parler de quelqu'un qui aurait de l'autorité dans la famille, qui vient vous contrer, qui vient contrer à votre niveau relationnel. Vous, vous avez mis des choses en place, vous savez où vous êtes, mais apparemment, autour de vous, quelqu'un, alors que ce soit un homme ou une femme, un groupe, bon, peu importe, mais ce sont des personnes qui sont contre ce que vous établissez. Voilà pourquoi on est quand même dans la bagarre, qu'on a ce 8 d'épée. Le 10 d'épée, qui répond un peu à ce 8 d'épée, est une carte véritablement importante. Pourquoi? Ben parce que le 10, c'est le chiffre le plus important dans la tarologie, enfin en tout cas dans les cartes aussi, bien sûr. Mais attention, n'oublions jamais que le 10, en numérologie, c'est le 1, c'est-à-dire 1 plus 0 égale 1. On revient à 1. Et ça, c'est toujours important quand un 10 tombe de le savoir. Donc, ce 10 d'épée qui est là nous dit « c'est terminé ». La situation conflictuelle, la situation de combat, même si vous le voyez terrassé, oui, mais qui est terrassé? Le mal qu'on voulait vous faire? Les personnes qui vous ennuyaient? Vous-même? Eh bien, moi, je vous le dis, ce sont les autres qui ont voulu vous embêter, ont voulu même vous contrer et qui ont perdu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on est entre le roi de baguette et la grande prêtresse. Le roi de baguette, regardez, n'oublions pas qu'on avait la reine. C'est un vrai couple, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de baguette? Eh bien, le roi de baguette vient vous donner raison. Il vous donne la posture du vainqueur. Mais ce n'est pas... vous n'êtes pas dans une posture « Ouais, j'ai gagné !» C'est pas du tout ça. Hein. C'est une vraie posture de vainqueur, tout à fait discrète, dans quelque chose qui est tout à fait humble. La vraie gagne. Et d'ailleurs, la grande prêtresse qui entoure vos ennemis, donc qui ne sont pas arrivés à leur fin, pourquoi? Eh bien, elle vous dit que vous réfléchissez. Vous avez le livre ouvert de votre vie sur vos genoux. Tout cela a remis en question des choses. Vous ne balayez pas les ennemis. Vous gagnez, on voit bien que vous allez gagner en ce mois de mars, mais grâce à votre réflexion. Ça n'est pas de dire « oui, je les terrasse, je suis plus fort, je suis plus forte », pas du tout. La papesse, la grande prêtresse ou la papesse, c'est vraiment un personnage qui engrange ce qu'on lui dit, qui y réfléchit. Et il ne faut pas oublier que la papesse a une clé à sa ceinture. Elle n'est pas dessinée ici, on ne la voit pas, mais la papesse a une clé. C'est-à-dire que quand elle l'a décidée, quand les éléments sont favorables, clac, 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 elle ouvre les 5 points du verrou et
eh bien, elle ressort. Et là, elle ressort avec les solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Eh bien, on peut dire que effectivement, dans ce mois de mars, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une situation de combat ou tout au moins de mise au point avec quelqu'un, avec un groupe. Ça peut être, si vous voulez, évidemment, au niveau travail, au niveau amoureux, au niveau des activités, au niveau de la famille, au niveau relationnel. Mais ce qui est sûr, c'est que vous tenez la route. Vous avez raison. En tout cas, l'oracle dit que vous avez raison. Vous êtes dans une position juste et on vient vous donner raison. Il y a vraiment là le couple d'aides, d'arbres qui sont ancrés avec leurs racines, qui ont les branches qui vont vers l'avenir. Le tronc est dans le présent. Il y a de la réflexion qui n'est pas n'importe quelle réflexion, mais vraiment qui tient compte de tout et avec ce que vous trouvez, les éléments. Et n'oublions pas aussi, bien sûr, sur votre route, l'empereur qui vient donner un tour de roue, un élément que vous apprenez, un événement qui se passe, qui vous donne raison, qui vient, bloup, vous permettre de faire le grand saut, la grande sortie de cette histoire. Et donc, eh bien, effectivement, vous en sortirez vainqueur. Alors, nous allons voir maintenant le conseil pour vous de la mère universelle. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Notre-Dame des Vendanges. Ah ! Notre-Dame des Vendanges est une très belle carte parce que, comme son nom l'indique, elle parle de vendange. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voit les trois œufs qui sont là. Le chiffre 3, la créativité, on est arrivé à créer. Et les vendanges, ben, ça veut dire qu'on a cultivé. Hein, lorsqu'on vendange, lorsqu'on cueille les fruits de son travail, ben, c'est qu'il a fallu le cultiver. On n'arrive pas là comme ça, on cueille. Ça n'est pas possible. Hein. Alors, Notre-Dame des Vendanges, ça veut dire que vous avez travaillé. On vous dit que déjà qu'en ce mois de mars, vous avez travaillé à faire ce que vous aviez à faire. La colombe de la paix qui vous apporte le rameau d'olivier. Donc, vraiment, elle vous dit que vous êtes sur votre route, que vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait en ce mois de mars et que déjà, en ce mois de mars, vous serez dans la vendange, dans les vendanges de ce qui vous est apporté, de ce que vous avez créé, fait, remis en place, gagné, etc. Donc, très belle carte, Notre-Dame des Vendanges, apporte vraiment les fruits de tout un travail, de toute une organisation. Nous allons maintenant passer au côté strictement relationnel, amoureux, bref, sentimental, émotionnel, humain. Je vous rappelle aussi que je propose des consultations privées, soit par téléphone, soit en visio avec la caméra, comme ici, bien sûr, donc par téléphone, mais en visio ou par caméra, et soit en cabinet de voyance sur Sanary, sur mer, dans le Var. Ces consultations tiennent à la fois compte de votre ciel astral que je prépare la veille, pendant 2 heures à peu près, et puis, eh bien, ensemble, nous tirons les oracles ensuite. Donc, c'est très complet, il y a des datations qui sont du coup très précises grâce à l'astrologie. Appelez-moi pour tout renseignement, l'appel sur mon téléphone est gratuit. Allez, voyons un peu ce côté donc strictement relationnel. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, transformation, regardez comme elle est belle. La toile de fond donc sera la transformation. Alors, qu'est-ce que la transformation ? Cette carte indique, vous le voyez, on avait la roue de fortune, je l'ai dit, c'est un tour de roue à 180 degrés, que quelque chose forcément va se passer dans ce mois de mars pour vous qui va tout changer. Alors, quoi donc ? Nous allons le voir ensemble en prenant le détail de cette lecture. Alors, nous allons rentrer dans le détail justement donc de ce relationnel. Alors, nous commençons par couvrir, bien sûr, le haut de la pyramide. Ah, alors, la croix indique, évidemment, tout de suite qu'il y a un changement. C'est-à-dire que la croix parle de mort de situation et de résurrection vers d'autres situations.
Ça peut être des situations matérielles, mais là, on est quand même dans le relationnel. Donc, évidemment, vous pensez bien qu'on parle surtout de situations relationnelles. Alors, cette transformation marche tout à fait, évidemment, avec la croix, puisque la croix symbolise la transformation des transformations, la transfiguration même. On passe d'un état de mort à un état d'autre vie, hein, une résurrection. C'est le symbole de la croix. Alors, nous continuons et nous allons voir dans le détail, justement. Nous avons ici donc le bateau qui symbolise toujours, bien sûr, des obstacles que l'on passe avec bonheur. Le bateau, vous voyez qu'il a le moteur en marche, puisqu'on voit l'hélice qui tourne, les voiles dehors, toutes voiles dehors, et le capitaine qui est à la proue et qui commande. Donc là, on est en pleine manœuvre. Donc ce bateau passe les montagnes. Symboliquement, ça veut dire qu'il y a des obstacles à passer que vous passez. Donc, c'est pas si simple que ça. On nous parle d'amour et on nous parle de dissension. Alors, vous voyez ces deux cartes-là. Ici, c'est la dissension. Pourquoi ? Lorsqu'il y a plusieurs oiseaux en même temps dans un nid, eh bien, on se doute qu'il y a des choses qui ne vont pas. On ne peut pas habiter, cohabiter sans qu'il y ait des frictions, voire même sans qu'il y ait carrément des soucis. Par exemple, disons-le, de relations triangulaires ou peu importe, hein, des choses qui ne collent pas. Un couple, logiquement, vit seul. Alors là, évidemment, ça n'est pas la représentation du couple et des enfants, vous vous en doutez. Là, tout le monde est adulte et vous voyez que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on voit bien qu'on nous parlait d'obstacles. Oh, décidément, on voit bien qu'on nous parlait d'obstacles à passer. Pourtant, ou tout au moins, on est sur la reine de baguette et nous avons dit que ces obstacles, vous les passiez avec grand bonheur. Et on voit bien que ce sont des obstacles donc liés à des disputes. Alors, est-ce que ce sont des disputes dans le couple? Parce qu'il y a eu des trahisons, c'est possible. Est-ce que ce sont des disputes relationnelles dans le travail qui sont très importantes pour vous? Des relations qui sont importantes, c'est possible aussi. Mais en tout cas, le fait que les dissensions relationnelles viennent sur la justice nous montre qu'il y a bien un retour des choses, qu'il faut bien s'occuper de ces relations, qu'il y a effectivement un souci au niveau relationnel. Et puis l'amour. Alors l'amour sur l'empereur, celui qui aide, celui qui gagne, celui qui finalement, au bout du compte, est très stable. Bon, l'amour nous montre que, quoi qu'il en soit, eh bien, on va vers une amélioration en amour. Alors, est-ce que vous allez quitter une relation qui ne veut plus rien dire? C'est possible. Est-ce que vous faites une rencontre qui perturbe un peu les choses, justement? C'est possible aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ces dissensions, ces obstacles à passer, est-ce que vous faites une rencontre, peu importe, je ne sais pas pour quelle raison, mais les vôtres n'acceptent pas cette rencontre, trouvent que ça ne va pas avec vous, je ne sais pas. Là, il faut se projeter dans votre situation. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ça peut être uniquement dans le relationnel, voire même une relation familiale pour laquelle on se dispute, par exemple, s'il y a un héritage qui est là. Mais au bout du compte, on voit qu'on va vers l'amour. Donc, de toute façon, ou tout au moins que vous êtes entouré par une personne où il y aura une personne qui vous aime et que vous aimez. Alors, ici et là, voilà. Alors, sur le 9 de coupe, nous avions parlé tout à l'heure, effectivement, d'une victoire en amour, d'une situation qui est réglée, qui va se régler. Nous avons le couple des cigognes, qui est une magnifique carte, qui nous parle véritablement donc d'un couple qui est au top. Vous voyez que les deux regardent dans la même direction, leur nid est éclairé par une énergie divine, et le couple sait qu'il va y avoir quelque chose de bon, de beau qui leur arrive. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, on est vraiment sur un problème, un souci relationnel, mais en même temps, il y a une construction amoureuse ou bien amicale ou bien familiale importante qui vous soutient et qui est vraiment là pour vous. Ici, nous avons la carte des secrets sur le roi d'épée. Et oui, là encore, on voit bien que c'est quelque chose qui ne peut pas être divulgué tout de suite comme ça. Donc, évidemment, on peut penser à une relation, qu'elle soit amicale d'ailleurs, ou qu'elle soit amoureuse. On pense plutôt à une relation amoureuse un peu cachée, quelque chose qui est en train d'émerger. Bon, et après, évidemment, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes vous-même. Ça peut poser, bien sûr, des problèmes
même si bien sûr vous étiez peut-être en train de vous séparer, ou l'autre, hein, tout simplement, celui avec qui vous rentrez en relation d'une façon ou d'une autre. Sur la bagarre où je vous avais dit que les autres étaient quand même terrassés, enfin tout au moins terrassés, tout au moins que vous arriviez à vaincre, on a encore la montagne. C'est-à-dire la montagne, c'est toujours un obstacle, mais que l'on passe. Le cerf qui est là vous attend pour vous appeler, vous montrer la route. On vous aide. On pense que vous avez raison. La vie, les autres, des amis, de la famille, enfin. En tout cas, il y en a qui pensent que vous avez raison. Autant comme il y en a qui ne sont pas contents, ça peut être dans votre couple tout simplement ou dans votre famille, mais autant comme il y en a qui vous soutiennent. Hein. Alors, on vous expliquera qu'il faut y aller un peu à la ruse sur le roi de baguette, qui est le roi, la reine, hein, qui sont là, qui est un côté matériel. Il faut poser des choses matériellement pour se sortir de cette situation. Et le passage, eh ben, il faut oser aussi la grande prêtresse qui réfléchit, la papesse. Vous avez le passage, le pont dessus. Donc le passage, vous le savez, hein, j'en parle souvent de cette carte que j'adore, c'est le même pont en fait. Mais celui-là, c'est le vieux pont, l'ancien, celui qu'on laisse, qu'on doit laisser de côté parce qu'il ne nous apporte plus rien, parce que c'est comme ça, parce que dans la vie, il y a des situations qui s'arrêtent. Et si on continue à l'emprunter, eh ben, on s'empale sur le pic, on tombe, on meurt. Alors que le même, évidemment, en projection, mais le neuf, l'avenir, celui qui vous appelle, si vous le traversez, l'image est bien faite, vous allez de l'autre côté. Voilà, vous passez le cap. Alors, cette papesse qui réfléchit, il faut quand même bien dire que vous serez amené à aller vers la nouveauté, à aller vers ceux qui vous appellent. Parce que n'en doutez pas, amis vierges, en ce mois de mars, un tournant à 180 degrés va arriver pour vous, va vous aider. Vous étiez certainement déjà sur cette voie, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, sur cette voie de grande transformation, et il est l'heure de cueillir les fruits. Alors, en amour, voyons la conclusion que l'oracle vous donne. Elle est seule alors. Allez, le regain. Ah, ha, 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 ha. Alors, le regain, cette carte, elle est jolie. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Vous voyez cette rose qui est superbe, et si vous remarquez bien, elle n'a pas d'épines. C'est fait exprès. Vous voyez cette rose qui est superbe, elle est superbe, qui pousse en pleine terre, en plein désert, en pleine terre craquelée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, sans doute. Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous allez vivre ou que vous avez vécue, eh bien, vous allez retrouver des énergies d'amour. Les énergies reviennent en vous. Alors, ça peut être évidemment soit à travers une rencontre qui vous permet de vous rendre compte que ça ne va pas dans votre couple, soit, si vous voulez, vous êtes en couple, tout se passe bien, vous avez formé un couple, mais il y a des gens contre, on l'a vu aussi ça tout à l'heure, qui ne sont pas d'accord, alors soit avec la personne que vous avez choisie, soit il y a tout d'un coup une dissension, un problème d'héritage, un problème de je ne sais quoi, et à ce moment-là, on remet en cause votre autre, et vous, vous n'êtes pas d'accord, donc vous maintenez votre position, et effectivement, vous restez dans cette situation de couple qui vous convient parfaitement bien, voilà pourquoi le regain, voilà pourquoi la transformation, parce que vous résistez, vous restez ensemble, et peut-être allez-vous laisser des membres de votre famille ou bien des anciens que vous considérerez comme anciens amis, voilà, qui pour une raison ne sont plus d'accord avec vous, mais vous ferez le choix de votre amour. Ça, c'est évident, on le voit beaucoup, ça, hein, on le voit. Alors, cette carte est très importante car ce regain, il peut aussi nous parler d'un ex qui revient dans votre vie ou d'une ex, évidemment. Oui, et parfois, ça chamboule un peu. Oh, ça chamboule les cartes. Bon, donc, en fait, sur ce mois de mars, Vierge, un mois de transformation, ça, on ne peut pas y couper. Et vous ne pourrez pas y couper, d'ailleurs. C'est vrai que parfois, vous vous mettez un peu la tête dans le sable parce que, bon, vous êtes un signe de terre, vous aimez bien votre sécurité, vous avez toujours peur de manquer, c'est en vous, ça. Et donc, ben, ma foi, quand il y a des changements, vous savez, un peu comme la roue de fortune, hein, bim, boum, mais où je vais? Où ça va me mener, tout ça? Et pourtant, on voit bien que là, vous tenez le choc, vous tenez le coup, et donc, ben, vous restez dans votre idée d'amour.
Voilà. Et puis, globalement, dans votre idée matérielle aussi, que nous avons vue tout à l'heure en énergie générale. Donc, vous maintenez vos positions et cette grande transformation va vraiment avoir lieu avec ce regain d'énergie. Peut-être vous étiez-vous un peu endormi. Peut-être vous étiez-vous aussi un peu perdu de vue. Ça arrive. Dans le confort, ça arrive. Donc, voilà pour vous, Vierge. En tout cas, je vous souhaite ce beau tournant, cette belle reprise d'énergie en ce mois de mars, qui est le mois du printemps. Alors, bon, magnifique. À bientôt.